Bonjour et bienvenue, on est de retour dans la survie du week-end avec un joli temps. Alors il y a un loup qui traîne dans les parages, donc faut faire gaffe. En face vous voyez qu'il y a des sortes de trous là. Ce sont des racines. Il y avait des racines, je sais plus où je les ai mis. Parce que je suis allé récupérer du bois et tout ça, donc je me suis un peu baladé dans le périmètre. Ouais, il y en avait trois. Donc c'est à peu près tout. Sinon j'ai de la viande. J'ai de la viande. On a encore ça. J'ai mangé quelques massettes aussi qui traînaient pour avoir des réserves et tout ça de viande. Donc on peut se balader. On est un tout petit peu lourd. J'ai pensé à ça en fait. C'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup, mais j'y ai pensé maintenant. Je me suis dit, c'est marrant, on est lourd. On a un gilet pare-balles sur nous. Ça va être marrant s'il y a des cordes. Parce que honnêtement, je crois bien qu'il y a des cordes. Je crois absolument qu'il va y avoir des cordes pour aller à la... Ah, la mine. Donc, ouais, on va devoir laisser tout à un endroit. Donc, ouais. J'ai récupéré donc les boyaux, j'ai récupéré toute la viande de lui. Bah, c'est à peu près tout, en fait. Oui, non. Bah, de toute façon, j'ai dit que j'allais faire ça, j'ai fait ça. Voilà. Donc, on va prendre de la viande, je vais voir le... Ok, on a de l'eau. J'ai repris mon truc, ouais. Ça aussi, il faut pas l'oublier, sinon je peux plus rien faire. Bon, bah on y va. On est méga lourd quand même, c'est un peu relou. C'est quand même un peu relou. Aussi, je suis allé voir combien de flèches on avait quand on avait commencé le combat, là. Je vais aller vérifier quand même. Donc on en avait 18. Et là, on en a 2 qui sont abîmés. Enfin, 2 qui sont cassés. Et on en a 15 en tout. Donc il nous en reste plus qu'une. On en a perdu une en gros. Donc c'est honnêtement pas mal. Vu que j'ai tiré un peu comme un sagouin. Sagouin ? Ouais. Et du coup, ouais. Je suis assez content de ça. On en a perdu seulement une. Alors il y avait un loup qui se baladait, qui est venu plusieurs fois à ma maison. Et à chaque fois il repartait parce qu'il avait peur. Mais maintenant je viens de dormir, donc du coup peut-être que... Non, il est là. Ah, t'es sérieux? Oh là là, ok. Ok, il a des potes. Ah ben putain. Oh là là, j'ai pas vraiment d'endroit là. On lui a mis 2 flèches à l'autre et tu vas me dire qu'il est pas mort ? Nos vêtements. Ils ont repris cher. Ça m'embête de ouf. Ça. On en a touché un. On l'a touché à bout portant. Je voudrais bien savoir où il est. Je suis dégoûté, c'est bien, ça commence bien. On va dormir une heure vite fait. Ah, on s'est fait toucher, on a perdu. On a rien perdu en vie, c'est énorme. C'est juste les vêtements qu'on prit en fait. Enfin non, pourquoi on dormirait une heure? Enfin, on dormirait une heure parce que je voudrais en fait que le loup qui a ma flèche meure. En fait, c'est surtout ça. Et honnêtement, je vais être franc, j'ai l'impression qu'ils reviennent beaucoup plus vite, hein, les loups gris. Hein. J
J'ai vraiment l'impression qu'ils reviennent beaucoup plus vite. Ouais, ah oui, aussi, comme je disais, j'ai l'impression que le gilet, en fait, protège les vêtements, le torse, en fait. Donc, ce qu'il va prendre, c'est tout le reste, surtout. Donc, je crois que c'est pour ça que la chapka, les gants et tout ça, ils prennent cher, en fait. C'est embêtant, c'est embêtant. Il me reste encore quelques heures de bien dormir, par contre. Parce que j'avais pris un thé pour me réchauffer. Parce qu'à un moment, il a fait très froid, en fait. On va manger ça. Il y a un loup là-bas. Ouais. Il n'y a pas d'autres. Je vois pas d'autres corbeaux. Ah, on a déjà perdu une flèche, c'est chiant. Il est quelle heure là? Ok, on va tracer un peu pour essayer de dormir pendant la nuit. Bon, j'avoue, plus j'utilise le gilet pare-balles et plus j'aime bien. J'avoue que c'est vraiment tranquille, en fait, de combattre les loups gris avec le gilet pare-balles. C'est vraiment, vraiment tranquille. Je me rappelle avoir combattu un ours ici. On doit aller là-bas, je crois. Non, mais sans déconner, là. Blague quoi. Il n'y en a qu'un seul, mais. Vas-y. Viens derrière moi. Merde. C'est bon. On a eu un saignement? Ouais, hémorragie, ok. Bras gauche. Ouais, j'ai encore un peu de repos amélioré. Il me reste 3 heures apparemment. Faut voir un peu. Ouais, va falloir que. Après, tout est en train de sécher, donc ça va. Hein, mais. Là, vous avez vu, on a quasiment rien pris en hein, dégâts. Quasiment rien pris. Bon, allez, je vais changer mon avis sur le gilet pare-balles quand je disais ouais, c'est nul, enfin c'est vraiment trop lourd et tout, c'est pas pratique. J'avoue que si vous avez du mal, ou alors si vous combattez, enfin si vous avez du mal à éviter en fait les attaques et tout ça, faut que j'aille sur la route moi. Les attaques des loups et tout. Ou alors vous combattez les loups gris, je conseille quand même de prendre le gilet pare-balles. Mais bon, comme j'ai dit, après c'est très lourd. Très très lourd. Ah, j'ai pris le charbon. Ah merde, j'ai pas pris le charbon. Parce que j'ai fait un feu du coup pour faire cuire la viande et tout ça, mais j'ai pas pris de charbon. Ouais, je vais quand même dire que c'est vrai, c'est pratique pour ça. Pour les loups gris, c'est méga pratique. Et je suis quasiment sûr qu'il y a moins de chances de se faire déchirer les vêtements. Alors, mon instinct me dit de partir sur la gauche, car le chemin est sur la gauche. Mon instinct me dit. Parce que je crois bien que la première fois que j'étais venu ici, j'avais suivi donc cette route. Et en fait, on arrive à un cul-de-sac parce que tout est détruit en fait. Et j'ai dû, genre, longer le côté gauche, je crois, de la montagne. Parce que je savais que c'était plutôt par là, en fait, la mine. Parce que regardez, il y a plein de panneaux. Je crois qu'il y a une grotte là-bas, on va voir.
Et du coup, après, j'ai trouvé le passage. Mais le passage, je crois que c'est plusieurs cordes, en fait. On va voir. Après, si c'est plusieurs cordes, je vais laisser les choses par terre. Hein. C'est pas grave. Hein. On laissera le gilet pare-balles et je reviendrai le récupérer. Hein. Mais ouais, j'avoue que nettement moins peur en fait. Attendez. Nettement moins peur des loups là. Vous avez vu, des fois je reste juste en plein milieu en fait. Je cherche pas à me mettre à l'abri et tout. Bah après, on n'a pas de sprint. Hein, donc c'est vrai que le fait d'avoir pas de sprint, ça change un peu la mentalité. Hein. Là on est un gros tank. On est simplement un gros tank en fait. Ah oui, aussi une chose, j'étais en train de me dire. Si jamais ils sortent, parce qu'on parlait des pumas et tout ça récemment. Bah si jamais ils sortent le puma, bah du coup on a bien fait de venir ici parce que... C'est quoi ça? C'est une merde. Si jamais ils sortent le puma, on va y aller avec le gilet pare-balles. C'est une super idée en fait, j'ai pensé à ça là récemment. Je me suis dit putain en fait c'est... On a bien fait de faire ça maintenant. Parce que là on est complètement prêt... Ah il y a du brouillard. On est complètement prêt en fait avec le gilet pare-balles si on doit combattre un gros truc. Donc ouais, très très bonne idée en fait au final, d'être venu là. Donc je suis assez content de ça. Je vais peut-être, un jour où on sera au lac mystère, genre tranquille et tout ça, je vais peut-être mettre mon équipement, enfin ça fait un peu chier parce que je suis sûr que je vais déchirer pas mal d'équipement, mais je vais peut-être laisser un ours m'attaquer en fait. Avec le gilet pare-balles, pour voir un peu les dégâts qu'on prend. Parce que honnêtement, je suis assez curieux. Je suis très très curieux. Si on est quasiment à 100%, je crois qu'on est à 89% de défense. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup. On va prendre ça par contre. Et ça c'est pour faire des arcs. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup de voir en fait les dégâts qu'on prend. Encore heureux qu'on était parti avec 20 flèches. Un truc, mais alors un truc tout bête qu'ils pourraient faire. Parce que ils ont rajouté du coup le... Ah mince, comment ça s'appelle Quand on range son arme là, dans un étui, là, bon, on va l'appeler l'étui au fusil. Là. Pourquoi pas faire un carquois? Sérieusement. Mais après, moi je l'ai jamais vu hein, le truc dans mon jeu. Hein. Je joue que en intrus. J'ai vu qu'apparemment ça se met en accessoire en fait. Donc encore une fois, il y a trop d'accessoires maintenant. Il n'y a que deux emplacements, c'est débile. Mais par contre, pourquoi pas avoir sorti? Parce que c'est la récompense de l'histoire. Tu vas pas me dire qu'il y a personne qui s'est dit « Bon, en intrus, on n'a pas de fusil, donc ça leur sert à rien. Pourquoi pas faire un carquois ?» Tu vas me dire que dans leur équipe, il y a personne qui a pensé à ça? C'est fou quand même. Je me rappelle que je m'étais abrité ici et j'avais fait un feu ici. Ouais. Je m'étais bien abrité ici du vent et tout ça. C'était la galère parce qu'il y avait une tempête à l'époque. Mais ouais, au lieu de faire un truc pour le fusil, mais fais un carquois pour ceux qui jouent en intrus, quoi. Ouais, donc c'est là. Ah, je vais pas pouvoir dessiner. Merde. Je vais pas pouvoir dessiner. Donc ouais, j'ai pensé à ça. Ça serait superbe. Genre qui réduit le poids des flèches. Ça serait magnifique. What? C'est quoi ça? What the fuck? Cachette de survivaliste abandonnée. Oh, je vais être franc, c'est la première fois
toutes les saisons, j'ai envie de dire, limite. En tout cas, de ceux que j'ai joué en intrus, que je vois une cachette de survivaliste. J'ai jamais vu, en fait. J'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé de cachette. What the fuck? Incroyable. J'en ai jamais vu de ma vie, en fait, dans mes sauvegardes. Incroyable. Ah! Une tourte bourratrice préparée avec des légumes glanés. Ici et là, on ne peut pas dire que ce soit raffiné. Tourte de survivaliste. Ah, attends. Ouais, non, mais en fait... Ouais, en fait, je crois que c'est normal. C'est pas de la chance. Ouais, en fait, je crois que c'est normal. Parce que s'il y a une... Un truc là, du coup, elle doit être à 100% en fait. La cache. J'imagine. J'imagine qu'elle doit être à 100%. Ouais, bon, bah du coup, ouais, je me sens pas vraiment chanceux en fait. Bon, si des gens savent, et vous pouvez me confirmer, mais. Oh là là, je peux pas la dessiner. Ça c'est la minute. Ou alors je m'en rappelle pas du tout l'avoir vu, mais m'étonnerait. Hein. Ça me dit rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous? Ah ben on va redescendre. On est à 50 kilos, c'est bien. Bon, je suis content, on n'a pas trop froid, même si on a. On a perdu en qualité de nos vêtements là. Oula. Pourquoi je sens la barre? Oui, pour ça. Okay. Alors, cherchons les cordes. Je sais pas si c'est le bon passage. Je voudrais bien pouvoir dessiner, honnêtement, là je suis un peu embêté quoi. Ah, corde. Mais je serais plutôt d'avis de trouver des cordes qui montent. Attends, là on va où là? Coin de l'idiot. C'est en bas la mine. Oh là là, je peux pas dessiner, ça me rend fou. Ça me rend fou de pas pouvoir dessiner. On est à 49. Genre, est-ce que je vais pouvoir descendre? C'est ça le truc qui m'inquiète. Je crois que techniquement, je peux avec ça. Donc ça serait 3 kilos. On peut virer l'eau. Parce que je suis certain qu'il y a plus, il y a encore plus de... De cordes de prévu, donc... Non, attends, ça... Je peux voir un peu. Parce que si on laisse le gilet ici, c'est quand même un peu loin, en fait. Et puis c'est un peu au milieu de nulle part, en fait. C'est ça qui me gêne le plus.
Ah, il nous fait chier, hein, ce marteau. Il nous fait vraiment chier. J'avoue que ce marteau, il nous fait un peu chier. Bon, bah là, j'ai peut-être pas besoin de... d'utiliser ça. Oh mon dieu, c'est grand. Ouais, vous voyez pourquoi je veux pas... Je veux pas laisser mon gilet pare-balles au final. Mon dieu, mais où on va là? Ok, là j'ai un doute sur le chemin. Je vais être franc, là j'ai complètement un doute. Là, on joue avec notre vie. Enfin, comme d'hab, quoi. Putain, si j'avais une meilleure mémoire pour ce genre de choses. C'est par là-bas. Parce que là, on remonte vers le pont, en fait, qui a été brisé. Ah non, on peut pas y aller, je crois. Bon, après, c'est pas grave, ça fait de l'exploration. On est là pour explorer. Hope nobody needs this anymore. Je réunis le charbon. Si jamais on doit faire un feu. Maintenant tu... Oh là là. Ouais mais c'est la nuit, je peux plus dessiner maintenant. Par contre on a une aurore boréale. Du coup je sais pas vraiment si c'est bon signe ou pas. Je vais être franc. Souvenir avec conseil. Ah, c'était là. Ok. C'est bête qu'on ait dessiné depuis le bas, mais pas grave. Ah, il y a des loups là aussi. Merde. Par où on passe? Oula. Le bruit qu'ils font, quoi. Alors t'es quoi? T'es un loup gris ou normal toi? T'es un peu solo là. Oh attendez, je crois que je me rappelle. Je crois que c'est un normal ça. Ouais. Et à gauche, il y a une grotte. Je me rappelle de ça, je me rappelle. J'ai campé ici pendant un petit moment. Allez, casse-toi le bœuf, là. Il va falloir qu'on se le fasse, lui, si jamais on veut survivre. Et on veut pas avoir de problème. Pas mal. Not
not sure I can carry much more. Pas mal, pas mal. Pas très conseillé de faire ça hein, pendant qu'il y a un loup qui traîne. Il est là. Tu peux venir, saloperie, parce qu'il va faire froid sinon. Oh la musique, encore heureux que je l'ai baissé hein. Ah, corde. Tu peux ramener ta fraise. Il est où? Pourquoi il a peur tout le temps? Sérieux? Ah, ou alors c'est peut-être un gris en fait. J'arrive pas à voir la couleur. Parce que si c'est un gris, du coup c'est normal qu'il ait tout le temps peur. Il a l'air d'être noir pour moi. Ça a l'air d'être anormal. Non, enfin, c'est pas grave. Le feu, il est mal placé. On va le mettre plutôt là, en fait. Je sais, c'est une allumette pour genre un morceau de viande, je sais. Je me demande si je peux dropper any of this gear. On va le virer. Pour ça que je voudrais bien me faire le loup là. On va virer les poids lourds. Il fait me brûler, c'est bien. Bah, parfait. Est-ce que tu me fais aucune arme dans l'inventaire? Ça va pas la tête? N'importe quoi le jeu là. Parfait, c'est un gros loup en plus, c'est cool. Bon bah du coup c'est pas pour rien. Enfin c'est pas juste pour un morceau de viande, ça c'est cool. Comme d'habitude, hein, j'ai mis le feu tout simplement pour qu'il soit à l'extérieur en fait, qu'il
profite, en théorie, je pense, hein, qui profite mieux en fait du temps, du fait qu'il soit, ça soit froid. Donc du coup, normalement là on a chaud. Ouais, là on est lent. Là on est rapide. Là on est lent. Bon, ça va. Ça, on va le garder. Bon, ça m'embête un peu pour les vêtements. Je vais être honnête. Que ça, c'est du lapin. Ouais, là, il sert un peu. Mais bon, le gilet pare-balles, il est vraiment utile. Ça va, c'est une bonne aventure là. De toute façon, une fois que... Là, c'est en fait, c'est le plus dur hein, ce qu'on est en train de faire. Donc une fois qu'on aura fini ça, on va se casser. Et on retournera du coup à la prison. Avec... Quand on aura le code en fait. On retournera à la prison et on sera tranquille. Alors la corde qui est devant moi, je crois que c'est la bonne. Et je vais voir s'il n'y en a pas plusieurs de cordes. Il y en a deux. Il y en a deux à prendre. Ok. Après, c'est pas très grave. On a du café et j'ai mes, ma nourriture là. C'est, encore une fois, hein, j'ai de la nourriture un peu spéciale, mais bon. Le délire de toujours tout garder de côté, ne jamais rien utiliser. Hein. Mais je pense qu'on peut y aller avec le... Avec le gilet. Maintenant, je suis en train de me demander, est-ce qu'on va revenir sur nos pas ou pas? Nous, on est là, les cordes, elles sont là. Faudrait que je les dessine. On va attendre que ça se finisse. Oh, putain. Attends. Mais merde. Non, j'ai pas de charbon. Je pense que... Oh là là, si je me rappelle un peu... Je pense que, du coup, donc nous, on est là. Pardon, on est là. Les cordes sont là. Je crois que la mine, c'est après ça. Donc ça doit être là. Après, est-ce qu'on peut faire comme ça? Ou alors il faut repartir par le... Par les cordes. Parce que s'il faut vraiment repartir par les cordes... Moi, je pense qu'il faut repartir par les cordes. Et je crois qu'il faut descendre ça. Moi, je me rappelle d'un truc comme ça. Genre, on descendait. Et après, j'en avais parlé de ça, en plus. J'avais parlé d'un chemin, en fait, qui retombe sur l'enceinte, en fait, de la prison. Donc, si ma mémoire est bonne, je pense que je peux laisser mon stuff ici. Quasiment certain que je peux laisser mon stuff ici. Et le récupérer après. Bon, après, si on peut pas, ben... Enfin, si on prend un autre chemin, bon, c'est pas grave, hein, on refera un aller-retour. Hein. Mais ouais, je suis quasiment certain. Il me faut de l'eau.
suis en train de me demander si on, si je fais pas, je laisse pas le feu allumé pendant je sais pas combien de temps. Enfin, le temps qu'on dort, mais après on partira et je pourrais peut-être faire une tisane ou un café. On a 3 cafés, j'ai 3 tisanes. Ouais. Ouais, on peut s'en servir. Du coup, ça, on peut le laisser là, je pense, aussi. La lampe, non, il nous la faut. Ça, on le laisse là, il n'y a pas de problème. La viande, on va en prendre un peu. Eau non potable. Qu'est-ce qu'on peut laisser encore qui pèse très lourd ? .028 ça quand même. De toute façon, il est à l'abri là. Donc il va pas prendre l'humidité à rien. Ouais, on va partir comme ça. On va refaire encore un litre et après on dort. Pas extrêmement fatigué, donc ça va. Là, je crois que c'est largement suffisant. Allez, on y va. Là, on est bien équipé, on est bon. On a réduit notre poids au maximum, là, avec les choses qu'on n'en a pas vraiment besoin. J'espère juste qu'il n'y aura pas de blizzard, en fait. Parce que je voudrais monter direct. Très bien, on va utiliser ça parce que ça c'est des vieux cafés que je me trimballe depuis je sais pas combien de temps. Et, non, stop. Bon, c'est pas grave. On va prendre tisane en premier. Et après café, on prendra quand on aura monté la première corde. Et ça sera nickel. On est bon, on est à 39-34. J'ai le sac. J'ai le sac. Il me faut ça quand même. Très bien. Pourquoi ils sont pas à côte à côte? Je ne sais pas. On va prendre ça. Pardon. Ah, j'ai pas de charbon. Mais je t'avais pas pris, toi ? Fait un peu froid. On a... Ouais, on est bon. On a tout de toute façon. J'ai juste laissé le surplus, en fait, les choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc on peut y aller. Allez, c'est parti. Ouais, c'est haut. Hein. Bon, ça, je peux le faire en une fois. Après, on prend le café. Ça va nous réchauffer aussi. Thank you.
Très bien. Ouais, j'aurais dû peut-être attendre que le feu s'éteigne et on prend du charbon, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis content. C'est vrai que quand on connaît les zones, honnêtement, on avance beaucoup plus rapidement. On est beaucoup plus agressif aussi sur la façon dont on fait les choses. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté en fait vraiment sympa quoi. Nickel. Ça devrait aller. Il y a vraiment ce côté assez sympa où on sait où il y a des endroits. Parce qu'honnêtement au final il y a des endroits en fait assez souvent où on peut se mettre à l'abri. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Ok, on est à la moitié, ça va, on n'est pas... Ça va. Par contre, il fait froid, faut qu'on remette ça vite. En plus, nos vêtements ont pris cher, donc du coup, c'est un peu la galère. Bon, j'espère qu'on est tranquille par contre, parce que là, on n'a plus le gilet pare-balles. De toute façon, on va vite le savoir. C'est quoi ça? Ok. Ah, une grotte. Ok, on peut s'abriter là. Ok, cool, cool. Pas de surprise. Oh, trucs qui apparaissent comme ça, c'est pas mal. Je dors une heure ou pas? Non, ça va, on va avancer. On va continuer d'avancer tant qu'il fait beau temps. Puis après, si jamais c'est trop la merde et qu'on n'arrive pas à trouver la mine, on fait demi-tour. Et on se met à l'abri là. Je suis quasiment sûr qu'on est proche de la mine. Hein. Je pense qu'on y est. Hein. Est-ce que c'est la mine avec le gaz? C'est ça que je suis en train de me demander. C'est ça, je me rappelle du gaz. J'entends des bruits. Ok, lapin. Bah, il y a beaucoup de baies, c'est bien ça. S'il y a des lapins, ça veut dire qu'on devrait être bon niveau, niveau loup. Très bien. Ça, on peut que le couper avec la hachette. Ça, donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment se passer de la hachette pour des aventures comme ça. Ouh, je crois qu'on y est, ça y est. Ah, je voudrais vraiment du charbon pour dessiner. Ouais. Je crois que c'est bon. Là, c'est... Attends, elle est là, la mine? Elle est pas là? Ah non, peut-être pas, ouais. Ok. Je crois qu'il y a un camp directement quand on rentre dans la mine. Genre un côté gauche. Je me rappelle avoir campé. Je vais voir un peu ce qu'il y a dedans. Rien, rien. Ah ouais, mais il y a tout un... Dernier espoir. Ouais, il y a tout un camp. Je m'en rappelais pas, par contre. Tout plein de lapins. Qu'on prenne tout le charbon. Ah, je peux utiliser la bombe. Did I say I hate being cold? Because I really do. Pour
pour dessiner, mais bon, j'aime pas trop parce qu'après ça laisse une marque sur la map. Ah, quoique, je peux dessiner avec la bombe et après supprimer la marque, je crois. Et ça marquera la... la carte. Enfin, ça dessinera la carte. Enfin, bref. Je vais être honnête, c'est pas très important. Allez, on rentre. Eh ben, c'est parfait. On est à la mine. Je suis content. J'avais peur que ça prenne un peu plus de temps. Mais au final, c'est bingo. On est un peu fatigué, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, je crois que sous ça... Ouais, il y a une cache, là. Alors, fais voir un peu. Ah, pour nous, il va sûrement pas avoir grand-chose. Oh, les bombes! C'est vrai qu'il y en a ici. Y a pas un endroit pour dormir? Alors, attends. Parce que là, on est nettement trop lourd. J'ai limite envie de me reposer, en fait. Ok, très bien. Encore heureux que notre lampe consomme pas énormément. Ça, c'est vraiment pratique. Ça va, on est en pleine journée, donc on risque rien avec l'électricité. Ça tremble, tout va bien. On a 0,47 de fuel à remettre, c'est nickel. C'est quasiment un petit réservoir plein. Un fût de flèche. On va prendre le sac de couchage aussi. Oh, attendez, il faut pas une aurore boréale. Il n'y avait pas une histoire d'ascenseur. Maintenant que j'y pense, là-bas. Je me rappelle plus ça par contre. Ça on va le jeter. C'est comment en français pétarade? Pétaradeur. Engin explosif improvisé, il sert à effrayer les prédateurs, mais il peut blesser si vous trouvez trop le près au moment de la détonation. Je sais pas si ça marche bien honnêtement sur les loups gris. J'ai jamais testé en fait sur les loups gris. Qu'est-ce que je fais, moi? Allez, c'est parti. Il y a peut-être une histoire d'ascenseur. Ça tremble. Danger, keep out. Alors, il y a un endroit avec du gaz. Je sais pas si c'est là ou pas, ou si c'est après. Il faut faire attention, il y a de l'eau gelée. Je sais pas si l'eau peut être complètement électrocutée, ça par contre. Ça, je sais pas.
Je crois que c'est par là qu'on revient. Ah non, peut-être qu'il faut la manivelle ou un truc comme ça. Pas de manivelle dans l'ascenseur, ok. Elle est là. Manivelle d'ascenseur, utilisée pour actionner un ascenseur. C'est une des dernières maps qui avait été rajoutée, BlackRock. Donc vous voyez, il y a plein de trucs à faire en fait. Et vous avez vu, il y a le fait de mettre la lampe en fait dans l'ascenseur, c'est vraiment cool. Alors sortir, descendre, je vais voir. Honnêtement, l'animation elle est sympa. Comment on remonte? Keypad 0. Non, je peux faire juste haut en fait. Non mais d'abord je vais... ah non mais c'est keypad pour sortir, pardon. Ah mais une manivelle tu la reprends? D'accord. Je crois que je l'avais emmenée avec moi la manivelle. Genre dans le risque qu'on l'utilise autre part, mais... Mais ça arrive pas. En tout cas, non. En tout cas, pas pour le moment. Alors, il y avait un autre chemin. Je me demande s'il faut pas que l'ascenseur soit en bas. Ah, faudrait qu'on dorme, ça tombe un peu mal. C'est quoi qu'on entend ? C'est de ma lampe ou c'est du gaz? Bon, regardez parce qu'on a un debuff et au bout d'un moment on meurt en fait. Elevator. Je crois qu'il va nous falloir la manivelle. Mon dieu, c'est méga loin. Exit. Je crois que ça, c'est le chemin pour remonter. Parce qu'en fait, ça fait une sorte de cercle. Donc, on descend avec... On descend avec le premier ascenseur. Et après, on doit courir à travers le gaz. Et après, on remonte par là. Donc, c'est très, très serré quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Je vais me débarrasser un peu de mon poids. Et je pense qu'on va dormir. Et la prochaine fois, on enchaînera sur ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Après, techniquement, on aura fini avec... avec BlackRock. On pourra partir. On va continuer à faire un peu le tour, hein, parce que c'est fun, mais on peut partir. Il y a un passage là.
Eh, ça va, gueule pas comme ça. La vache. Incroyable. Ça, c'est parce que c'était de l'eau froide. Ça donne où là? Ah, ok. Bon, bah c'est parfait. Parfait, parfait. J'essaye de baisser un peu mon poids pour qu'on puisse courir facilement. Mais normalement on est bon. C'était où là? Non. Si. What? Ah, je me rappelle plus déjà, ça y est. Je vais dormir juste devant l'ascenseur et on va s'arrêter là. Comme ça on sera prêt. Et la prochaine fois, du coup, on ira en bas. Mais en tout cas, je suis content. C'était où? C'était là? Ah, je me rappelle plus de quel côté il est l'ascenseur. Merde. Là, hein. Je peux pas vraiment sprinter. Comme ça, c'est celui où on a la manivelle ou pas? Oh là là. Je suis désolé, je me perds. Ça, je crois que c'est celui-là de sortie en fait, avec le. Il est en bas. Ouais. Désolé, désolé, désolé. Ça va, on a plein de carburant et tout, on peut. Plein de fuel. On peut alimenter notre lampe et elle consomme pas, c'est top. Peut-être que le prochain épisode, ça sera du coup le dernier. Peut-être qu'on va mourir du gaz. Je crois que quand on m'avait expliqué, il y a une sorte de pourcentage en fait qui monte. Et quand c'est à 100%, je crois qu'on meurt direct. Genre instantanément, genre... la personne tousse et meurt, je crois. On m'avait dit ça. Et je crois que la première fois que j'avais fait ça, j'étais quasiment à 100%. Et les gens m'avaient dit, ah, tu viens juste de... t'as failli mourir, quoi. Voilà, parfait. J'ai un peu peur du câble. Est-ce que je vais pouvoir passer? Le câble, il est connecté à rien. Je suis en train de me demander, est-ce que les câbles connectés à rien peuvent quand même électrocuter ou pas?
Tout ça, je m'en rappelle plus. Allez, on va dormir. Bon, en tout cas, c'était un bon épisode. On a fait plein d'aventures. C'est super bien passé, par contre. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je suis content. Et la prochaine fois, comme j'ai dit, on prendra l'ascenseur. On va descendre. On va essayer d'être à fond. On va descendre. Et puis après, on courra dans le gaz. Et on essaye de trouver ce fichu mot-là. Qui devrait nous donner le code, en fait. Donc, ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.